Salut tout le monde, c'est Rookie. Aujourd'hui, le défi, c'est d'utiliser la M4 ou M4A1 sur les trois Modern Warfare les plus récents, c'est-à-dire 2019, 2022, donc le MW2, et 2023, MW3. Et donc là, on va commencer la série par Modern Warfare 2019, avec du coup comme classe la suivante, une classe un peu what the fuck, avec le pas de cross pour se régaler en termes de mobilité, le canon personnalisé Corvus, qui était, je pense, un de mes meilleurs canons sur ce jeu. Le compensateur pour contrôler le recul, ainsi que la poignée avant de commando et les 50 cartouches pour être à l'aise avec ses munitions. Régalez-vous bien sur ce gameplay. Et ensuite, on passe sur MW2. Moi, Charlie. Ils prennent Bravo. Je change de chargeur. Je recharge. On a je besoin recharge. De toi, Charlie. Grenade lancée. Pas d'autre. On va prendre un point Bravo. Bravo. On a perdu le point, Charlie. Ah, patientez. Je recharge. Ennemi à la Bravo. Drone paré au déploiement. Bien reçu. Je commence le survol. Je change de chargeur. Ennemi près du chariot élévateur. Objectif sécurisé. On va prendre le point Charlie. Grenade lancée. Attention. On prend Charlie. Drone radar déployé. Steve, on a l'avantage. Aidez votre équipe au point C. Drone. On prend Alpha. Patientez. Il me tire de... Dans le mille. Contrôle deux objectifs. Prenez ses positions. Lancé. On a capturé. Enfoiré. Je recharge. Cherchais. L'ennemi tient deux objectifs. Reprenez-les. Ennemi au point Charlie. On y va. Ils prennent Charlie. Frag lancé. On est en train Je de change perdre. De chargeur. Concentrez-vous. Aidez votre équipe au point C. Je suis visé. On prend Bravo. Patient. Sécurisation du point Alpha. Aidez votre équipe au point C. Prenez ses positions. On est prêt. On va prendre le point Bravo. Débarras. Je recharge. On tient le point Alpha. Drone paré au déploiement. Point Bravo est à nous. Nous voici maintenant sur MW2 pour continuer du coup cette vidéo sur les M4 avec un build un peu plus OG. Cette fois-ci, je vais vous le montrer. Donc j'ai gardé 30 cartouches pour ce qui est du magazine. J'ai mis la poignée Vtech Reaper 56, le canon Hightower 20 pouces pour tout ce qui est contrôle de recul, portée des dégâts, le laser ainsi que la crosse et la poignée fantôme pour tout ce qui est plutôt mobilité et vitesse de visée. Cette classe sur MW2 fait très mal. Profitez bien du gameplay. Une reconnaissance immédiate. Reçu. On est arrivé sur zone.
nettoyage en attendant. Je suis blessé ! Je change de chargeur. On perd le point. Prête à être déployé. Sécurisation de Bravo. Je suis en train de recharger. L'ennemi abattu. Je recharge. Je suis en train de recharger. Contrôle 2. On tient tous les objectifs. Tâchez de les conserver. Allez. J'essuie des tirs. L'ennemi s'empare d'Alpha. L'objectif Alpha est compromis. Reprenez. Je suis en train de recharger. On va perdre le... Change de chargeur. Attention. Recharge. On capture Charlie. Deux objectifs sécurisés. Change de chargeur. Charlie sécurisé. Je suis à court de munitions. Du coup, on se retrouve pour la dernière partie sur MW3 avec cette petite classe M4 qui fait le café. Franchement, c'est pas l'arme méta la M4, mais par contre, c'est vraiment une arme emblématique des Call of Duty. C'est une de mes armes préférées et j'adore la jouer. Donc là, c'est le class setup que j'utilisais sur MW3. Profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.
Oui. C'est...